Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer l'étude sur la baïonnette par maître Joseph Pinette. Après avoir étudié les attaques, nous allons maintenant voir les parades. C'est une partie qui me semble assez importante, hein, puisque il est quand même bienvenu de savoir se protéger d'un coup de baïonnette, surtout quand c'est vous qui en êtes la cible. Hein, donc c'est quand même bien de savoir s'en protéger, donc ça peut servir. Allez, c'est parti. Le soldat étant bien placé dans la position de la garde contre la cavalerie, lorsque l'instructeur voudra faire exécuter la parade de prime à droite, il commandera en prime à droite, parer, arme. Au commandement d'arme, le soldat décrira vivement un cercle de gauche à droite avec la pointe de la baïonnette que l'on dirige sur la droite du corps en tournant brusquement l'arme, la baguette en l'air, le bras gauche fléchi formant à peu près un angle droit. Le coude à 8 cm du corps est sur la ligne des boutons de l'habit, la main à hauteur du front. Le bras droit un peu ployé, la main à hauteur du sommet du shako et à 16 cm sur la droite de la ligne du corps à droite, les yeux fixant la pointe de la baïonnette sur la gauche de l'arme. Alors pour info, le shako c'était le couvre-chef des soldats dans les années 1806 jusque dans les années 1845 ou même un peu plus tard jusqu'en 1870. Je crois que le shako est le nom officiel du couvre-chef du soldat français. Après viendra le képi. L'instructeur fera reprendre la garde contre la cavalerie, après quoi il commandera en prime à gauche, parer, arme. Au commandement d'arme, le soldat décrira vivement un cercle de droite à gauche, en même temps tourner brusquement l'arme, la baguette en l'air, et la porter sur la gauche du corps. Le bras gauche fléchi en angle droit, la main à hauteur de l'œil gauche, le coude à 8 cm du corps, le bras droit un peu ployé, la main à hauteur du sommet du shako et à 16 cm, sur la ligne du corps de droite, les yeux fixés sur la pointe de la baïonnette, vers la gauche de l'arme. L'instructeur rectifiera la parade de prime à gauche et fera reprendre la garde contre la cavalerie, après quoi il commandera en tierce, parée, arme. Au commandement d'arme, le soldat dirigera vivement l'arme à 11 cm sur la droite de la ligne du corps à droite, la pointe de la baïonnette à hauteur des yeux, ce mouvement imprimé à l'arme par la gauche sans que le coude quitte le corps, la main droite reste appuyée contre la hanche droite. Lorsque l'instructeur voudra faire exécuter cette parade, il fera reprendre la garde contre la cavalerie et commandera en carte, parée, arme. À ce commandement, le soldat dirigera vivement l'arme au milieu du corps, la main droite appuyée à 8 cm sur la gauche du nombril, la main gauche vis-à-vis de l'épaule gauche et à hauteur du téton gauche, le coude fléchi et près du corps, les épaules carrément, le fusil tourné la platine en avant, et les yeux fixés sur la pointe de la baïonnette. Lorsque l'instructeur voudra faire exécuter le contre de tierce, il fera prendre au soldat la garde contre la cavalerie et commandera contre de tierce, parée, arme. Au commandement d'arme, le soldat écrira avec la pointe de sa baïonnette, un cercle de 16 cm de diamètre, de gauche à droite et en montant. Ce mouvement doit se faire de la main gauche sans que le coude quitte le corps, la main droite ne bougeant pas de sa position. L'instructeur fera reporter l'arme qui se trouve à droite, au milieu du corps et commandera contre de carte, parer, arme.
au commandement d'armes, le soldat exécutera tout ce qui a été indiqué au contre de tierce, à l'exception que l'on doit décrire le cercle de droite à gauche en prenant la position de la parade de cartes. Observation. Dans les exercices des parades, le poids du corps doit être porté autant sur la jambe droite que sur la jambe gauche. L'équilibre en sera plus sûr, on aura plus de vitesse, de précision et de force. Les contres sont de la dernière importance. Par eux, le soldat acquérera de la facilité et de l'activité dans ses mouvements et parviendra à détourner tous les coups. Je les recommande d'une manière toute particulière. L'instructeur portera aussi son attention à ce que les parades s'exécutent au moyen seul des bras sans que le corps bouge de sa position de garde. Alors voilà un enseignement très intéressant puisque en fait on retrouve tout le lexique de l'escrime de pointe. Il n'y a aucune nouveauté en fait par rapport à ça. Pinette a vraiment pris la méthode l'escrime de pointe que l'on connaît, et il l'a reporté sur le jeu de la baïonnette. Mais finalement, qu'est-ce qu'une baïonnette si ce n'est on pourrait dire un fleuret qu'on tient à deux mains. C'est une forme de demi-épée ou d'estoc que l'on tient avec la main sur la lame. Enfin, vous voyez là où je veux en venir. Bon, toujours mes petites idées derrière la tête. C'est que l'escrime à la baïonnette ne découlerait peut-être pas tant de la pique, mais il pourrait peut-être avoir plus de parenté qu'il n'y paraît avec le jeu de pointe du fleuret, et peut-être aussi avec une arme un peu plus ancienne. Une arme oubliée, que l'on nomme estoc, était vraiment oubliée, en France du moins, puisque chez nos voisins anglais, ils connaissent assez bien l'objet, ça s'appelle un tuck, et ils appellent ça estoc. En français, ils les décrivent très bien. Se pourrait-il que, finalement, l'escrime de la baïonnette ne serait pas une escrime de la pique, ou pourrait être apparenté à la pique, mais se descendrait peut-être un peu plus de l'escrime de l'estoc, ou de la demi-épée. C'est vraiment une hypothèse par rapport en fait à la posture que l'on peut avoir et les recoupements que je peux faire avec d'autres sources ou des discussions que j'ai avec d'autres experts. Et il y a quelque chose à gratter sur ça, et ce serait pas acquis que aient disparu totalement les méthodes de combat françaises. Moi je commence sérieusement à me demander si les recyclages n'ont pas été successifs, et on est parti on part d'une arme il y a fort longtemps, puis sa pratique évolue et s'adapte à de nouveaux objets. Et on va parler non pas d'objets, de description d'objets en eux-mêmes, mais on va parler de concepts et de concepts d'utilisation. Je me pose beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que la baïonnette ne serait pas une forme de survivance, une espèce de cousinade avec les stocks dont on peut lire les descriptions dans de nombreuses sources que j'ai pu lire du 19e, ou en lui suivant les études de nos amis anglais? Ou alors tout le monde dit des bêtises et tout est faux, ou alors il y a du vrai, et je pense qu'il serait intéressant de gratter un peu plus sur ces espèces de liens génétiques, si je puis dire, entre des armes qui finalement ne se ressemblent pas mais qui ont le même concept d'utilisation: percer et transpercer, faire des trous. Et que serait un mousquet avec une baïonnette si ce n'est un estoc qui tire? En attendant, je vous laisse réfléchir sur ça, je suis totalement ouvert à la discussion, hein, c'est vraiment que des hypothèses, hein, je n'affirme rien, c'est des questions que je me pose, de mes sensations que j'ai en fait en pratiquant. Et maintenant, il vous reste plus qu'à vous entraîner, à vous amuser, et puis à la prochaine.